Bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune, de la première nouvelle lune de l'année 2024. Elle va se produire le 11 janvier. J'ai monté ce thème de nouvelle lune à Cannes, chez moi, en France, où je vis, d'où je viens. Et vous voyez hein, que cette nouvelle lune, elle est quand même très harmonique. Alors, il y a beaucoup de planètes en Capricorne. Hein, le, le signe, ce signe est très valorisé au moment de cette nouvelle lune. On a évidemment la conjonction soleil-lune, Mars et Pluton encore dans ce signe. Et cette conjonction soleil-lune, elle fait un très beau trigone, un aspect harmonique de 120 degrés, jusqu'à Uranus en taureau. Là, on le voit, il est quasiment exact, ce trigone. C'est un aspect harmonique de facilité qui aide. Et donc ici, on voit que nos objectifs, nos sentiments, sont vraiment portés naturellement par cet aspect. Tout comme on voit un très bel aspect, un très beau trigone également entre ces deux signes de terre hein, que sont le Taureau et le Capricorne, entre Mars et Jupiter. Alors ça, c'est c'est quand même les vraies super nouvelles de cette nouvelle lune qui a tendance à amener des énergies, on va dire un peu plus. Je ne vais, vais pas dire forcément douce parce que le Capricorne c'est pas un signe qui est doux, c'est un signe qui qui amène justement des des contraintes. Mais on voit qu'ici il y a des facilités à aller de l'avant à aller vers du nouveau, à aller vers de la construction, vers du, du, du matériellement palpable. Alors comme on va le voir, hein, ce sont les, principalement les signes de terre hein, qui reçoivent bien, et certains signes d'eau qui reçoivent bien cette configuration, mais tout le monde ici risque de sentir quand même une énergie hein, du mois qui arrive, des deux semaines qui arrivent après le 11 janvier, où tout coule assez naturellement finalement. Euh, si vous faites des rencontres, comme on le verra, bah, elles peuvent durer, elles peuvent se faire de manière assez naturelle. Il peut y avoir des reconnexions aussi, parce que comme on l'a vu, il y a eu une grosse rétrogradation. Le Capricorne, c'est aussi le signe du passé. On a eu Mercure qui a rétrogradé en Sagittaire. C'était, je crois, du, du 13 décembre au 2, si j'ai bonne mémoire, au 2 janvier. Donc c'est une phase hein, de décembre-janvier qui a pu nous permettre un peu de réfléchir, d'abandonner, de revenir sur... Donc ici... On sent qu'il y a un travail qui a été fait peut-être dans le passé, un travail qui est fait par rapport à ce qu'on souhaite, à ce qu'on souhaite manifester, à ce qu'on souhaite créer, avec qui on souhaite le faire, comment on souhaite le faire, qu'est-ce qu'on souhaite abandonner. Et les choses devraient se faire assez, de manière assez fluide, de manière assez naturelle ici. Alors, le trigone à Uranus favorise tout ce qui est de la coopération, les associations à plusieurs, les les mouvements de groupe, les mouvements associatifs, les mouvements en réseau et les coopérations. Donc ça c'est un très bon moment. Et le trigone de Mars à Jupiter est excellent aussi parce que Mars c'est une planète de désir et d'action. Elle s'exalte en Capricorne, elle est très bien placée. Elle a envie justement de porter ses efforts sur le long terme, cette planète Mars. Elle a envie d'agir de manière très pragmatique. Elle a envie aussi de ne plus se disperser de ne plus être du tout girouette dans ses actions et d'aller dans tous les sens comme elle a pu le faire avec Mars en Sagittaire. Ici, parfaitement aspectée à Jupiter, elle nous permet de grandes réalisations, de grandes concrétisations, de grandes expansions. Donc c'est idéal. Tout ce qui se lance autour de cette nouvelle lune peut avoir des répercussions très concrètes sur le long terme. Et bien évidemment, ici, action-désir de Mars s'associe avec expansion-chance. Et réussite de Jupiter. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, euh, c'est tous les décans des signes de terre qui sont vraiment bien aspectés par euh, cette lunaison et par cette configuration qui aide. Là, on voit qu'il facilite. C'est très fluide, c'est très naturel. Alors évidemment, les grands thèmes du Capricorne, on voit, hein, sont sur le tapis, le froid, avec un froid énorme qui, qui couvre l'Europe en ce moment. On voit ici euh, le moment où, dans beaucoup d'endroits, c'est le retour du masque, c'est les retours des confinements, des restrictions à certains endroits. Alors excusez-moi, je dis peut-être des bêtises. Il hein, y a peut-être pas de confinement encore, mais on a vu le retour du masque à certains endroits. Donc c'est vrai que on avait vu hein, pendant les phases très capricorniennes de 2020 les confinements, les restrictions, les, les tensions à ce niveau-là. Il se peut que de manière un peu passagère, là, jusqu'à cette, cette fin d'hiver, et ben pendant que, que Mars, par exemple, ou toutes les planètes restent en Capricorne, qu'on ait encore un peu de tension au niveau des libertés, au niveau des, des déplacements et autres. Et là, on reviendra sur ces phases Capricorne verso qu'on a vues par le passé. On va pas y revenir, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais on a vu comment. Il y avait justement ces restrictions qui revenaient un peu sur le tapis avec cette phase Capricorne qui se ravivait un peu. D'autant plus qu'on va le voir que Mercure rentre en Capricorne. Hein, dans, quelques, dans quelques jours après la nouvelle Lune, le 14. Puis après, ça sera. Vénus. Donc on a vraiment, pardon, un cycle Capricorne qui, qui s'annonce bien, qui s'entame. Alors le Capricorne, c'est le, le signe des élites. C'est le signe de la politique, des systèmes, des responsables. Alors on avait vu hein, que quand Pluton est, est arrivé en verso, nous en avions d'ailleurs fait un grand podcast là-dessus, qu'on avait dit que on aurait de gros scandales par rapport à la pédophilie, par rapport à des secrets révélés et autres. Et là, on voit, il y a l'affaire Epstein, hein, juste pour cette sortie de Pluton en Capricorne, parce que Pluton va rentrer en Verseau le 21, et là, on voit que ce scandale rééclate. Hein. Donc ça, c'est intéressant de voir ça sur le plan mondial, et tout ce qui peut être aussi très sérieux. Hein, le Capricorne, c'est un signe qui nous parle du sérieux, du monde du travail, du travail. Donc on pourrait voir ces choses importantes sur la lunaison qui vient, et tout ce qui est aussi les, les, les responsabilités de l'humanité, tout ce qui traite des guerres aussi, des, des conflits, on pourrait en parler. Il pourrait y avoir toujours cette idée de, de restriction, de, de, de peur, d'angoisse, de blocage, d'envie de, de justement de d'offrir une solution très concrète à un problème qui est là peut-être depuis longtemps. C'est un peu l'idée de cette lunaison. Hein. C'est vraiment l'idée de cette lunaison. Alors dans les meilleurs des cas, c'est une lunaison qui vous permet de construire, de créer, de concrétiser. Et elle est très positive pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Taureaux. Pour les vierges et les scorpions, hein, vous êtes vraiment là les, les cinq signes très gâtés par cette lunaison. Vous avez le vent en poupe pour agir, pour construire, pour structurer des choses sur le long terme, seul ou à plusieurs, pour abandonner tout ce qui ne va pas, donc vous refaire une santé, un hein, revenir finalement à une discipline. Hein, le capricorne c'est le signe de la rigueur, de la discipline. Moment idéal pour se discipliner et vous c'est facilité. Alors, ceux qui vont avoir un peu plus de mal, les signes qui vont avoir un peu plus de difficultés, et il y a particulièrement le cancer, par exemple, qui prend l'opposition. Ah, donc le cancer, qui est un signe parfois un peu réceptif, sensible, ici, il peut y avoir quand même des freins par rapport à l'autre. Donc attention de ne pas trop cultiver une forme de dépendance, une forme de, de, de relation ou de, 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 de relations au pluriel qui pourrait vous... Vous freinez, vous pénalisez pendant ce mois, cette période, auquel cas, évidemment, s'il y a des relations qui ne doivent pas durer ici, ou des bagarres qui doivent éclater, des changements qui doivent éclater, bah, il se peut que là, les tensions surviennent. Voilà, avec les passages de Mars ou du Soleil, selon votre décan, revenez aux vidéos euh, où on parle de ça, évidemment, en détail. Notamment le, le podcast de Mars en Capricorne. Si vous êtes bélier aussi, vous prenez un peu le carré hein, de tout cet amant en Capricorne. C'est vrai que ça peut être sur le plan du travail pas mal de préoccupations. Vous pourriez être très pressé, hein vous pourriez manquer de patience et vous sentir un peu dans une forme de, de non réussite. Donc ici, évidemment, ce transit vous demande de prendre patience, de davantage travailler, faire d'efforts. Hein le Capricorne, c'est le signe de l'effort, de peut-être revenir sur votre ego légendaire, sur votre tête brûlée, hein cette tête brûlée du Bélier, ce qui parfois prend des décisions un peu trop rapides. Qui va un peu trop vite de l'avant. Donc, ici, attention de ne pas vous presser, de ne pas prendre une décision de manière trop brutale, trop rapide, auquel cas, là, il y aura un accident, vous vous blesserez, vous, vous subirez une forme de frustration sur cette lunaison. Alors, les balances également, c'est le signe opposé du bélier, prennent le carré de cet amant en capricorne. Et il se peut que sur le plan moral, affectif, sur le plan de vos relations, sur le plan du familial, il y ait des blocages, des restrictions des freins que là où vous viviez ne vous conviennent plus et que ça peut être également un moment très passager hein, pour ces trois signes hein, donc euh, cancer balance bélier mais c'est vrai que c'est pas un moment très facile et cet hiver ce froid les blocages un peu la saison morte d'hiver pourrait vous le climat pourrait vous vous plomber un peu passagèrement on va dire l'humeur dans les pires des cas c'est vrai que on peut avoir l'humeur un peu un, un peu fermée on peut être taciturne on peut avoir un ressenti qui n'est pas des plus, des, plus dé, des plus débloqués on va dire des plus, des, des plus facilités à aller bien voilà. surtout si on reste enfermé chez soi si on est un peu trop seul hein, le capricorne c'est le renfermement c'est la solitude c'est les, les épreuves c'est les difficultés donc les efforts à faire le travail de longue haleine donc évidemment si si toutes ces choses viennent sur le tapis ça peut être pour certains Certaines délicates, difficiles. Alors par extension, Lion et Gémeaux vont aussi prendre le quinconce, hein, de, de, les aspects un peu dissonants. Donc il se peut, hein, il se peut que ces deux signes aussi soient un peu contrariés. Les Gémeaux aiment bouger, ils aiment parler, ils aiment se déplacer. Donc certains pourraient être dans leur relation, dans leur rapport aux autres, dans leur sexualité, hein, dans, le, dans, dans une période de crise, dans une période de grande transformation. Quant au lion, c'est peut-être une période où la, la santé chronique, hein, les moments où notre travail aussi ne sont pas au top. Hein, donc on peut avoir un petit moment de fatigue, une petite période où on brille moins, où on est moins valorisé, où on rencontre moins de personnes de valeur. Et évidemment, c'est une période qui peut être un peu rébarbative et freinante et, et limitante. Alors il y a Mercure et Vénus en Sagittaire toujours. Et Mercure, ça fait un moment maintenant qu'il est sur ce dernier décan du Sagittaire, et au carré de Neptune, on, on voit le problème hein, sur le plan astrométéorologique. Surtout, nous en avions beaucoup parlé. que hein, C'est un aspect de brouillard, c'est un aspect de chute de neige, de pluie, d'humidité, les vents. Hein, Mercure, c'est l'air, c'est les vents, c'est l'atmosphère, c'est tout l'air ambiant, c'est tout le climat ambiant, et c'est aussi les vents, hein, comme on l'avait dit. Hein. Avec ce carré de Neptune, on voit que ça charrie beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau et beaucoup de froid ici, avec évidemment la face capricorne. Donc on voit que là, l'humidité des sols, les chutes de pluie, les chutes de neige favorisent hein, la propagation du froid. Et c'est vrai que sur le plan, on va dire, intellectuel, les derniers décans des signes mutables, et les signes mutables en généralement, sont très touchés négativement par cette période. C'est la dépression, c'est vraiment au niveau, euh, au niveau mental, c'est le brouillard, on ne sait plus comment avancer, on n'est pas bien là. Et ça peut être vraiment une période de confusion, de dépression, pour certains, de tristesse, de désillusion et de manque de clarté. Donc, je dirais, on souffre parfois plus, comme disait Sénèque, dans l'imagination qu'en réalité. Attention, cette période de ne pas déborder, de ne pas aller dans tous les sens, surtout si vous faites partie des derniers des camps des mutables. Alors les mutables sont en souffrance hein, avec cet aspect. Et là, on peut penser aux poissons, aux vierges, aux gémeaux et sagittaires, principalement les deuxièmes et troisièmes décan, mais surtout les 3e décans avec Mercure, hein, les derniers décans. Je rappelle qu'un décan, c'est une section de 10 degrés par signe. Mais c'est vrai que Mercure n'est pas très simple. Et il a tendance aussi à, à amener quelques difficultés. Hein, au cancer et au taureau dernier décan. Donc c'est vrai que mentalement, moralement... On peut aller dans tous les sens, on peut être en dispersion, on peut avoir du mal à, sur le plan mental, à clarifier bien ses idées. Il faudra attendre la rentrée de Mercure en Capricorne pour que ce soit beaucoup plus structuré, beaucoup plus solide. Donc c'est vrai que là, en ce moment, on peut être, surtout si on fait partie des signes dissonants et affectés, on peut être vraiment touché par des oublis, touché par des, des dispersions, des dépressions passagères, des rechutes, on va dire, des mélancolies. Et Vénus est dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est vrai que on, on viendra après sur les signes qui sont aidés, mais c'est vrai que Vénus est quand même en dissonance. On le voit hein, dans le signe du Sagittaire, en semi carré à Pluton sur cette nouvelle lune. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on voit ici que Vénus en Sagittaire nous demande d'aller vers des nouvelles choses, des aventures, des conquêtes, d'aller même voir euh, derrière la frontière, derrière la barrière, d'aller voir plus loin que, que ce qu'on a sous les yeux. Mais euh, ce semi-carré, euh, à Pluton, ne nous motive pas trop. Il n'est pas stimulant, sexuellement parlant. Il y a il... Vénus est très peu aspectée ici, donc il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de... de solution encore qui se présente à vous. Alors particulièrement si vous êtes Sagittaire, hein, il y a pu avoir une vraie crise qui s'est déclenchée, et notamment pour toute la mutable, donc Vierge, Poisson, Gémeaux. Ça a une période particulièrement terrible sur le plan affectif pour vous, déprimante, ou un moment où justement euh, vous n'utilisez pas très bien les énergies vénusiennes. Vous mangez mal, vous vous nourrissez mal, vous êtes dans les excès, vous sortez trop, vous buvez trop, vous vagabondez trop au niveau amoureux, vous chassez trop avec cette Vénus en Sagittaire. Donc ici peut-être de, de, de redéfinir un peu. Ici Vénus en Sagittaire demande peut-être de grimper d'un niveau au niveau intellectuel, de trouver un partenaire avec qui aussi on partage des valeurs philosophiques et morales. C'est important, avec qui on partage peut-être l'idée de voyager. Voilà, peut-être pour trouver des solutions à vos affres affectives en ce moment. Et c'est vrai que cette Vénus et Mercure, par contre, elles vont bien aider sur le plan affectif, sur le plan mental, à aller trouver des nouvelles solutions, à aller trouver des nouveaux objectifs, à aller tirer des nouvelles flèches, à aller démarrer des nouveaux voyages, même géographiquement parlant, des, des nouveaux projets. Alors là, les sagittaires, certains peuvent être aidés, il peut y avoir des opportunités qui viennent de, de l'étranger, hein, le sagittaire adore voyager, et personnellement, c'est un moment où le charme devrait être plutôt bon, vous devriez arriver à, à charmer. Et évidemment, cet aspect, il va aider les versos, les balances, les lions, les béliers, qui comme on le voit, hein, sur le plan global, sur le plan général, sur le plan professionnel, familial, relationnel, sont pas au top en ce moment. Donc, Vénus et Mercure vous donnent un l'élan d'aller au-delà d'eux. Alors les balances, utilisez votre charme pour un peu voyager, davantage, un peu trouver des solutions qui n'étaient pas encore sous votre nez encore hier. Les lions, c'est pareil. Mettez-vous en valeur en utilisant justement une nouvelle voie qui peut vous faire davantage voyager, davantage briller, davantage vous mettre en valeur. Les béliers, c'est pareil. Ici... Les voyages, l'étranger, des gens à l'étranger peuvent vous aider, des étrangers peuvent vous aider. Et les versos, c'est dans vos réseaux, dans vos connaissances, dans, dans les gens autour de vous que vous allez pouvoir trouver beaucoup plus de liberté, d'indépendance et de facilité. Parce que si vous êtes verso, il y a un grand cycle verso qui arrive à partir de la fin janvier et mi-février. Et puis à partir de cette fin janvier, il n'y a d'autre que Pluton qui arrive dans votre signe. Et là, c'est la deuxième incursion ça va être très sérieux. Donc il y a un vrai besoin de changement, d'autant plus que ces planètes en taureau, elles ne vous font pas du bien, les versos. Hein, ces planètes, pour certains en sagittaire, vous font pas du bien. En, en, en poisson non plus, la Saturne et Neptune. Donc les versos, c'est un moment très compliqué, en se moment délicat. Et on retrouve, hein, la croix fixe, elle a tendance un peu à souffrir aussi, mais pas autant que vous. Et là, Pluton arrivant, surtout sur le premier degré. Et les premiers degrés du signe du verso, si vous êtes né sur cette fin janvier, il y a évidemment du changement très conséquent qui arrive. Et vous avez vous-même un besoin important, impérieux de changer. Ça ne peut presque plus attendre. Donc attention que votre corps ne lâche pas si vous êtes verso, ménagez-vous sur cette période, organisez-vous pour peut-être agir de manière moins versatile, de manière moins imprévisible, et de vous diriger davantage vers vers, comment dire, des, des choses créatrices, des choses durables, des choses pérennes. Alors, cette période, elle nous demande hein, de, de, de construire, de, de mettre à plat des choses qui sont là depuis longtemps, de, de, de structurer une pensée, de structurer une vision. Et elle va nous le permettre, hein, vu que Mars est en Capricorne, le Soleil également, Pluton est encore dans ce signe, cette grande phase Capricorne qui agit bien avec le taureau, permet aussi d'unir des personnes. Hein, donc c'est vrai que sur le plan professionnel, c'est une lunaison qui est excellente pour le travail, pour des résultats pros, pour bosser, pour davantage structurer son business, euh, pour agir dans le temps, pour prendre des décisions professionnelles sur le long terme. Ici, euh, évidemment, c'est le moment pour fixer des objectifs durables, pérennes, et de les mettre en œuvre. C'est là où vous verrez que souvent, durant ce mois, mais ça peut déjà dater depuis que le Soleil est entré en Capricorne le 22 décembre, depuis que Mars est rentré dans ce signe le 4 janvier, mais ça va particulièrement s'intensifier autour du 11 et les deux semaines qui vont aller après, voire le mois qui va aller après, il pourrait y avoir une, une détermination plus profonde, une énergie plus intensifiée qui peut être dirigée vers des buts professionnels. Les gens... Que vous voyez autour de vous, mais vous-même, vous pourriez être davantage persévérant, davantage vous accrocher à un but, pour atteindre, vous voyez, une forme de. aller de sommet, de hauteur. Hein, le Capricorne, c'est la montagne, il a envie d'atteindre le sommet, hein, la, la pointe de la pyramide, l'apex Et donc là, on a souvent envie de le faire, on a. Vous voyez, avec une, une forme de démarche, on va dire, très concrète, très pragmatique, sérieuse méthodique, Vous voyez, qui tend à, à éliminer ce qui ne va pas, pour, pour vraiment se concentrer vers l'essentiel. Hein, le Capricorne, c'est vraiment le signe qui va directement à l'essentiel, de manière des fois un peu trop, trop abrupte, hein, de manière trop honnête, de manière trop droite. C'est pour ça qu'ils sont tellement des fois euh, les, les Capricornes qu'on les, qu 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 les, qu les boycotte. Hein. Surtout beaucoup les femmes. Hein, on voit qu'elles sont très honnêtes, très pures. Alors attention, les, les autres aussi, mais Capricorne, c'est un signe qui est, qui est quand même marqué par ça par cette, cette énergie-là. Alors au niveau amoureux, nous l'avons vu, il vaudrait mieux que vous engagiez vos relations avec beaucoup plus d'intellectualité, de sérieux, l'envie de durer. Et ici, les aventures un peu de type sagittarienne, de type jupitérienne, les excès, les, les châteaux en Espagne, les romances en Espagne, ou dans les pays de l'Est, attention, parce que ça peut avoir ses limites. Ici... Au niveau relationnel, c'est un, une phase qui nous demande de mettre des limites et d'aborder des relations avec sérieux pragmatisme, de mettre l'action peut-être sur la durée, l'engagement, la sincérité, l'honnêteté de la personne et sa stabilité également. Capricorne, c'est stable. Il veut de la chose dans le temps, du concret. Donc c'est évidemment un moment où vous devriez privilégier les actes plutôt que les paroles. Et s'il y a parole, elle devrait être marquée par la franchise, par l'honnêteté, c'est les choses directes et sérieuses qui doivent ici, euh, voyez, venir sur, le, sur la table. C'est de ça il, dont il s'agit. Il faut vraiment euh, mettre en œuvre ces énergies. Je pense que sur le plan de la santé, ceux qui vont bien le vivre vont avoir une énergie normalement euh, constante stable et elle pourrait être justement investie dans des dans des comment dire, dans des dans des traitements de fond dans des traitements qui peuvent être là sur le long terme dans des traitements qui peuvent être aussi on va dire naturels une médecine douce. Donc c'est vrai qu'ici on peut davantage aussi mettre le plan sur tout ce qui est jeune sur tout ce qui est abandon sur tout ce qui est limite donc, euh, le jeûne, le jeûne intermittent, euh, se mettre des limites, un régime, euh, voilà, un certain régime, revenir aussi à des trucs un peu plus essentiels, par exemple du régime crétois, du paléo, euh, voyez, des choses beaucoup plus épurées, beaucoup plus simplistes, peut-être une monocure d'aliments au niveau santé. Et c'est évident que c'est une lunaison qui nous demande d'adopter des attitudes beaucoup plus disciplinées. Également, peut-être de, de, de développer davantage euh, d'exercices, de nutrition, euh, des routines sur le plan de, du sport, peut-être sur le plan de l'effort personnel, euh, qui peuvent être abordés de manière beaucoup plus structurée, mais aussi de manière beaucoup plus solitaire, ou avec des groupes, mais des groupes qui vont durer. Donc, très bon, là, pour euh, pas forcément joindre une salle de sport avec que des bobos en fluo. Mais peut-être ici, de, de joindre un groupe de potes, euh, faire des exercices à plusieurs, euh, joindre un club euh, sérieux, vous voyez, qui, qui casse pas trop des briques, mais là où vous allez justement pouvoir euh, vous faire quelques connexions, ou, ou une ou deux personnes, ou même chez vous seul, sur un banc. Chopez-vous le matos. Si vous fonctionnez beaucoup de type capricorne, que vous êtes un saturnien, une saturnienne, que vous fonctionnez de, man de manière, on va dire, autonome, que vous aimez faire les choses seul, que vous aimez votre calme, votre quiétude, ici, ce transit peut-être vous encourage à ce genre de décision. Alors au niveau euh, artistique, parce que ça beaucoup d'artistes me le demandent, vous êtes artiste, au niveau de l'intuition, de tout ce qui peut être la créativité. Euh, ici, c'est certain que dans les pires des cas, on en manquera, on sera un peu, on va dire infertile. Mais dans beaucoup de cas, il se peut qu'il y ait des choses qui vous tiennent à cœur, euh, qui soient là depuis très longtemps, qui qui arrivent à se mettre en place de manière beaucoup plus fluide, des gros travaux qui nécessitent du temps, de la technique et que vous avez peut-être délaissé, vont peut-être voir le jour autour de cette nouvelle lune. Hein, donc ça peut être... Il y, y a vraiment ici l'idée de développer sa conscience, ses idées, une prise de hauteur, euh, la créativité ici. Euh, évidemment, on risque d'être beaucoup plus euh, pragmatique, concret. Hein, et donc évidemment, ici, c'est une lunaison qui nous permet de beaucoup plus créer seul, composer seul, faire seul, avec une approche... Très disciplinée, très engagée, très sérieuse. Et il peut y avoir une, un entêtement, une, une forme d'obsession, de détermination assez forte à créer sur cette période. Au niveau spiritualité, la retraite, la prière, la méditation, euh, bien évidemment beaucoup plus de régularité, de stabilité, et la recherche euh, souvent euh, de choses pures, épurées, essentielles équilibré, stable. Aussi une, une recherche d'un calme, d'une quiétude intérieure, d'une vérité importante. Là, peut être vraiment vécu euh, de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus intense euh, qu'auparavant. Donc, il peut y avoir aussi des des prises de conscience très fortes au niveau spirituel, au niveau conscience, qui vous qui vous font comprendre un peu qu'est-ce qui est plutôt que Qu'est-ce que, qu que vous pensiez? Donc, il peut y avoir des, des, du réel qui s'impose dans votre spiritualité, de la, du concret. Et j'ai oublié l'argent, les finances, très importants. Vous devriez normalement arriver justement à, à construire, à récolter si vous avez bien bossé durant l'année dernière. C'est une année qui démarre avec d'excellents résultats financiers. Dans certains cas, vous prendrez des décisions importantes ici et souvent elles sont prises. Dans la durée, sur le long terme, elles sont prises seules. Mais ici, vous pouvez être aidé d'une structure, d'une personne plus âgée, d'un groupe. Et évidemment, ici, prudence, donc planification longue durée, objectif sur le long terme. Vous voyez, euh, construire, bâtir, avoir son chez-soi, euh, avoir son entreprise, Ce sont des choses qui, sur le plan financier, peuvent être très importantes sur cette période. Et l'accent, bien évidemment, de cette nouvelle lune, on va dire la symbolique de cette nouvelle lune, mais l'accent, pardon, sur l'accumulation de biens, sur justement euh, les ressources, comment les gérer pragmatiquement, sérieusement, dans le temps. A noter que si vous avez justement des problèmes d'argent, justement, vous prendrez des décisions importantes sur cette période pour améliorer vos finances. Ce qui se passera également, c'est que, que vous, vous aurez envie aussi d'éliminer des choses qui vous coûtent trop d'argent, qui, qui ne sont plus là pour vous faire plaisir, pour vous satisfaire, et qui n'auront plus de sens finalement. Hein, L'idée ici, c'est de, de vouloir faire du sens, de vouloir créer avec euh, durée pragmatisme. Donc cette période est excellente. On voit que la toile de fond des planètes n'a pas trop bougé. Durant cette phase de lunaison, Uranus va repartir en marche directe et on va rentrer ensuite dans une grosse phase verso qui va commencer à gêner vraiment les premiers décans des, des signes fixes et à transformer énormément, à modifier beaucoup de choses dans la durée. Euh, sur quoi on ne s'est pas attardé Non, vraiment, tout a été très complet et on voit qu'avec cette lune en Capricorne, c'est vrai que les foules, euh, les femmes, les enfants, les plus jeunes, la jeunesse. Il peut y avoir beaucoup de, de, comment dire, de, de souffrance, de frustration sur cette période pour ces personnes-là, avec cette lune en Capricorne, sur le plan émotionnel. Donc c'est un moment aussi où il ne faut pas hésiter à, à essayer d'améliorer son humeur affective, son émotivité, ses feelings. Et c'est le bon moment, je pense, pour les communiquer, pour essayer de, de beaucoup plus mettre en, en stabilité aussi ça, et de mettre à l'équilibre dans la durée. Tout ce qui traite de l'émotivité, de la famille. On voit que ça peut être un moment aussi où il peut y avoir des préoccupations importantes par rapport à tout ce qui est la famille, la crise de la retraite, euh, le monde du travail, le chômage. Voilà, toutes ces symboliques famille-travail sont très importantes sur cette, sur cette nouvelle lune et elles peuvent nous préoccuper davantage. Ce c'est pas, pas, on va dire, mauvais, bien au contraire, parce que ça nous demandera de travailler. Et, et là, on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de mauvais aspect pour nous gêner. Il hein, n'y a, a vraiment qu'un seul carré, qui est le Mercure-Neptune, qui est là depuis pas mal de temps et qui commence d'ailleurs à se dissiper quelques jours après la nouvelle lune. Donc vraiment, cette période de nouvelle lune, -là, de, on va dire du 11 au 25 janvier, de phase croissante de la lune, elle est très bonne pour démarrer un tas de projets, un tas de concepts, pour justement mettre en place des nouvelles choses très importantes qui vont durer dans le temps, qui vont s'inscrire de manière positive. Euh dans, dans la société même, dans, le, dans, dans la vie professionnelle, dans votre vie professionnelle. Donc c'est des choses qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent justement vous, vous permettre de... C'est une phase, on va dire, qui peut vous permettre de vraiment construire, d'atteindre de, de, une étape supplémentaire, de, 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 de gravir une marche supplémentaire, et de poser justement un jalon supplémentaire, d'atteindre un sommet que, que, que peu ont atteint, voilà, sur ces moments-là. Donc vraiment, euh, euh, n'hésitez pas, travaillez, le travail payera. Structurez-vous, articulez-vous. C'est une période où on a envie d'articuler sa pensée, d'articuler ses mots, d'articuler justement son, son discours pour être vraiment euh, très pragmatique, très très puissant, très voilà très euh, très pénétrant aussi et très euh, se, se placer un peu comme une éminence grise. Voilà, il peut y avoir des discours très conscients, très structurés qui ressortent, très sérieux. Voilà les amis. Ben, j'espère qu'en tout cas. Euh, vous arriverez à construire, à structurer, à travailler et à atteindre vos objectifs. C'est très important. Je voulais conclure en, en ajoutant que vous devriez aussi voir dans quelle maison astrologique va tomber cette nouvelle lune. Dans quelle maison elle va se superposer à votre thème. Alors pour ça, il faut faire une superposition de thèmes et vous verrez justement dans quelle maison va tomber votre, votre nouvelle lune. Alors si vous êtes, là j'ai pas vraiment le thème de, de grande célébrité sous les yeux, mais euh, je vais essayer de prendre un thème là qui me vient sous les yeux parce que j'en ai pas beaucoup. Euh, j'ai même pas le thème de Macron sous les yeux. Vous voyez par exemple, là la nouvelle lune tombe à 20 degrés 44. Donc il faut regarder où est-ce que tombe 20 degrés 44 dans votre thème. Vous voyez, si par exemple vous seriez ascendant Sagittaire, comme cette, cette, ce thème-là, on va dire, qui est un thème de nouvelle lune, malheureusement j'ai pas le thème d'une personne, mais là on va dire la lunaison tombe dans votre maison une. C'est vrai que si vous êtes un ascendant capricorne ou capricorne, c'est une lunaison qui a son, son importance, parce que elle se produit en, dans votre signe du Capricorne. Donc évidemment, là, le, le, les nouveaux départs, le, le, toute l'énergie de la nouvelle lune qui a été exposée précédemment va se diriger vers votre personnalité, vers celui que vous êtes, vers ce que les gens voient de vous. Voilà, donc l'ascendance, c'est ce, qu ce, ce que les autres voient de nous, c'est ce que l'on est, c'est notre personnalité, c'est notre corps, c'est notre physique. Si justement cette lunaison touche votre maison 2, c'est pour les Sagittaires, la, la, les enfin, la plupart pardon, des Ascendants Sagittaires, si c'est votre maison 2, cette lunaison, elle va agir dans vos finances, dans votre argent, dans ce que vous possédez, dans vos acquis. Si vous êtes marqué par le scorpion... Euh, ça sera votre. Ou la plupart des ascendants scorpions, en tout cas, ça sera votre maison 3. La maison 3, c'est tout ce qui traite du mental, des frères et des sœurs, des petits déplacements, des, des, des transports, vous voyez, de la, de la voiture, donc. Mais également des va-et-vient, des études aussi. Si c'est votre maison 4, que vous êtes marqué par exemple, euh, on va dire, par la balance, donc, euh, ou l'ascendant balance dans certains cas. Si c'est votre maison 4 solaire ou votre maison 4, là le changement, c'est pas que les balances soient en balance, hein, ça peut être ça peut être d'autres signes aussi qui ont le, on va dire le, la lunaison qui va tomber dans leur maison 4. Mais là le changement, le nouveau départ va se faire au niveau familial, au niveau de la mère, au niveau de votre vie d'épouse, avec votre épouse, au niveau du lieu de vie. Si c'est dans votre maison 5, ça va toucher les enfants, les créations, les spéculations, les jeux, les romances. Si c'est dans la maison 6, ça va toucher la santé chronique surtout le quotidien votre tendance à travailler au jour le jour à servir à coopérer avec les autres au quotidien surtout si c'est dans votre maison 7 dans ce cas là vous serez là pour la plupart cancer ou ascendant cancer c'est dans les relations dans votre rapport au, au conjoint à la conjointe à autrui à votre mari ou vos femmes que les choses vont prendre un nouveau départ peut-être plus durable plus concret plus sérieux si vous êtes marqué, Justement par un passage en maison 8, c'est votre sexualité, l'argent des autres, donc le, le, tout ce qui peut traiter d'un de la mort, des héritages aussi qui peut être sur le tapis. Si c'est dans votre maison 9, ça va être tout ce qui traite de l'étranger. Hein, donc de, des voyages, des grands déplacements, des cultures étrangères, voilà, d'aller au lointain, ça peut être aussi la loi et des démarches administratives et juridiques qui peuvent être entreprises ici. Si c'est la maison 10, c'est tout ce qui traite, on va dire, du, du travail, du, du. Comment dire de, de la... Si c'est la maison 10, pardon, c'est le travail, c'est la renommée, c'est la vie socio-professionnelle, c'est ce que vous extériorisez, ce que les gens voient aussi de vous en termes de réalisation. Si c'est votre maison 11, un nouveau départ va être pris dans tout ce qui est amitié, relation, projet à plusieurs, travail à plusieurs. Euh, grand projet entre amis. Quant à la Maison 12, elle parle de finir, de terminer, de boucler, de concrétiser, de maladies, de soins, de problèmes de santé assez graves des fois, de faim et de, de, de crimes. Donc évidemment, elle vous permettra justement de, de nettoyer beaucoup de choses. Elle parle aussi de spiritualité, cette Maison 12. Donc elle vous permet ici de faire un énorme bilan complet sur le plan intérieur. C'est la vie intérieure aussi, la Maison 12, la vie cachée. C'est l'une des maisons les plus complexes du zodiaque et des douze maisons, donc ce passage en maison 12 vous permettra évidemment d'épurer, de terminer, de finir, pour partir sur du nouveau, notamment si vous êtes verso ou ascendant verso. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très très vite. Ciao, bye